Bonjour à tous, اليوم ان شاء الله راح نبداو لو دوزيام شابيتر دو بيوفيزيك لي كومبارتيمون ليكيديان دو لورغانيزم. alors c'est quoi هذا لي كومبارتيمون؟ عندنا par exemple le sang, الدم et le plasma. l'eau est le composé le plus important chez l'homme. la masse hydrique تاعو se situe entre 60 et 70% de la masse corporelle. après عندنا 30 à 40% عيطولها la masse sèche. Par exemple, l'atome, l'hem, l'shem et tout. Le compartiment li jay dakhl les cellules, il se met compartiment intracellulaire, CIC, ou li jay kharij les cellules, CEC, compartiment extracellulaire. Li hemna kamel hna fait deux chapitres, c'est les méthodes de mesure de ces compartiments. Adna mesure du volume d'eau total, mesure du volume d'eau du compartiment extracellulaire et détermination du volume du sang total et du volume de plasma total. Nous commençons avec la mesure du volume d'eau total. Alors, adna un sujet, habina nhesbou le volume d'eau total tao. Le principe باش نقدروا نحسبوا le volume d'eau total, c'est l'injection d'un marqueur ou bien d'un traceur par voie intraveineuse, yani le sang. On va lui injecter donc un traceur le sang. Il faut savoir que l'esmicun avec le traceur très très petit, le compartiment intra et extracellulaire, parce que le volume d'eau total égale le volume du compartiment extracellulaire plus le volume du compartiment intracellulaire. La molécule qu'on utilise pour mesurer le volume d'eau total, c'est de l'urée, adnatanite, le H3O+. Le principe consiste à injecter une substance marquée ou des isotopes radioactifs non toxiques, radioactifs yani mouché. On injecte le marqueur dans le sang, yani par voie intraveineuse, fdm. Le volume d'eau total égale le volume du compartiment extra et intracellulaire. Alors, pour mesurer le volume d'eau total, on utilise des très petites molécules qui dans le compartiment extra et intracellulaire. Adna, soit l'urée, soit le H3O+. Donc, toute petite molécule, l'urée injectée, urée isotope radioactif, yani mouché. La première étape, c'est l'injection de l'urée marquée dans le sang. Après, l'interstitiel. Après le compartiment intracellulaire. Yani, il va se répartir d'une manière homogène comme les compartiments liquidiens de l'organisme. Donc l'urée traverse toutes les membranes cellulaires et se répartit d'une manière homogène dans le volume d'eau total du sujet. On a la première étape, c'est l'injection du marqueur ou bien le traceur dans le sang. La deuxième étape, c'est un prélèvement sanguin. On va faire un peu avec le patient. L'échantillon sanguin avec une centrifugation pour séparer les différents composés du sang. Adna les globules rouges, les plaquettes et les globules blanches et le plasma. Alèche d'un hâte la centrifugation parce que c'est le plasma. Alèche parce que fait l'urée marquée. Imaginez adna une bouteille d'eau, un sirop à la grenadine ou bien à la menthe. Lima les belles ou c'est quoi? C'est un arôme plus un colorant. Qui n'a pas أحيولينا ان جو دونك هذاك لو جو كنحطو شويه في كاس ونشربوه ما راحش نحسو بلي في الكاس رانا نشربوه في الماء وفي القرعه رانا نشربوه في ان جو بوركوا باسكو لا كونسونطراسيون اللي كاينه في القرعه سي لا ميم كونسونطراسيون اللي كاينه في الكاس اللي ما فهمش البرينسيپ تاع لا غرونادين ايماجيني وعدنا قرعه تاع غازوز نحطو شويه في كاس كي نشربو في الكاس ولا في القرعه كيف كيف ما راحش نحسوا لا ديفيرونس يعني في الكاس رانا نشربوا في الماء وفي القرعه رانا نشربوا في غازوز بوكو باسكو لا كونسونطراسيون في الكاس وفي القرعه سي لا ميم في لورغانيزم هذاك لو ري انجيكتي في لورغانيزم ابري كي دانا لو بريليفمون سانغان لو ري ماركي اللي كاين في لورغانيزم سي لو ميم يعني لا كونسونطراسيون تاعو اللي كاينه في لورغانيزم C'est la même concentration de l'urée qui est dans l'échantillon plasmatique.
La concentration ne t'bdelch. Li t'bdel, c'est la masse et le volume. La concentration pondérale de l'urée marquée liquène dans l'organisme, elle est égale à la concentration pondérale de l'urée marquée liquène dans l'échantillon plasmatique. La concentration pondérale, elle est égale à la masse sur le volume. La CP de l'urée marquée liquène dans l'organisme, elle est égale à la masse de l'urée injectée. هذه حنا اللي حطيناها في لا سيرينغ على بالنا شحال حطينا sur le volume d'eau total ou la concentration pondérale de l'urée marquée اللي كاينه في l'échantillon plasmatique elle est égale à la masse de l'urée dosée هذا la machine اللي تحسبو sur le volume de l'échantillon plasmatique هذا il est facile à déterminer حنا نحوسو على le volume d'eau total. Donc, il est égal à la masse de l'urée injectée fois le volume de l'échantillon plasmatique sur la masse de l'urée dosée prélevée. Donc, le volume d'eau total est égal à la masse de l'urée injectée sur la CP de l'urée radioactive de l'échantillon plasmatique. Pour déterminer le volume de l'échantillon plasmatique, on a la belle nabli qui donne le prélèvement sanguin. Maintenant, un volume d'un échantillon sanguin. Après qu'il donne une centrifugation, il me donne le volume de le plasma, plus le volume de les globules rouges. Et il me donne directement le volume de l'échantillon plasmatique. Donc le volume de l'échantillon sanguin égale au volume de l'échantillon plasmatique, plus le volume de les globules rouges. Nous allons le volume de l'échantillon plasmatique. Il est égal au volume de l'échantillon sanguin moins le volume de les globules rouges de l'échantillon. Pour déterminer le volume de les globules rouges, on va un paramètre et on va prendre l'hématocrite. L'hématocrite, en général, il me donne les exercices. Il est égal au volume de les globules rouges de l'échantillon sur le volume de l'échantillon sanguin. Donc, pour déterminer le volume de les globules rouges de l'échantillon, il est égal à l'hématocrite fois le volume de l'échantillon sanguin. Et on peut déterminer grâce à l'hématocrite qui me doivent les exercices, parce qu'en général, il me doit. On peut déterminer grâce à elle le volume de le plasma. Il est égal au volume de le sang fois 1 moins l'hématocrite.